Tu rêves de pouvoir mettre de l'argent de côté chaque mois, une fois avoir payé tes factures et t'être fait plaisir? Alors ne bouge pas, je vais te donner mes astuces financières. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo finance. C'est bien la première fois. Parler d'argent en France, finalement, c'est assez tabou. C'est même complètement tabou, mais je réalise autour de moi combien de personnes manquent d'éducation financière. Et il n'y a pas de mal à ça quand on vit dans un pays où l'argent est tabou. Mais si on n'en parle pas, c'est pas possible de savoir gérer son argent. Donc je me risque à prendre la parole pour que l'argent ne soit plus un problème. Pour ma part, j'ai grandi dans une famille où j'avais la valeur du moindre euro, même du centime. J'ai eu mon premier job étudiant à 17 ans quand j'étais serveuse dans une pizzeria. Et là, j'ai commencé à raisonner en heures de travail. Ensuite, j'ai fait des études de sciences de gestion. Donc vous imaginez bien que j'ai eu beaucoup de cours sur la comptabilité et l'analyse financière. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité entre un master marketing et un master finance. Et aujourd'hui, je gère les comptes de mon entreprise et du foyer. Pourquoi? Parce que j'aime ça et je vais vous transmettre quelques tips. La première chose, c'est de répartir ses revenus. Il y a une méthode assez connue qui s'appelle le 50-20-30. Donc vous prenez vos revenus, c'est-à-dire votre salaire, éventuellement les aides, éventuellement des rentes, toutes les sources de revenus, et vous le divisez en trois parties. 50% de la totalité de vos revenus serviront à payer vos charges, donc c'est-à-dire loyer, électricité, gaz et vos courses. On compte aussi internet, les forfaits, les assurances. 20% de vos revenus iront dans votre épargne. Et il reste 30% pour tous vos loisirs. Restaurant, shopping, mettre de côté pour les vacances, abonnement à la salle de sport. Évidemment, c'est à adapter en fonction de ses revenus. Par exemple, si vous gagnez 3000 euros par mois mais que vous habitez à Paris, ce ne sera pas 50% mais plutôt 75%. A l'inverse, si vous avez déjà fini de payer votre maison, ce ne sera pas 50% mais peut-être 20% et ça vous permettra d'agrandir votre épargne ou alors plus dans les loisirs pour partir en voyage, par exemple. Aussi, je suis consciente que ce n'est pas adaptable à tous les ménages. Je suis même très bien placée pour savoir que parfois, quand on a payé le loyer, les courses et toutes les charges, on n'a plus rien ni pour l'épargne ni pour les loisirs. Cette règle est applicable par ceux qui peuvent l'appliquer, qu'on s'entende bien. Mais cette règle est quand même applicable pour beaucoup de gens. J'en vois beaucoup qui, une fois payé les charges, parce que ça de toute façon il n'y a pas le choix, mettent tout le reste dans les loisirs. Alors les loisirs c'est bien, c'est même indispensable, ce ne serait pas sain de tout mettre en épargne et de ne pas se faire plaisir. Mais le problème c'est que si on met tout dans les loisirs et qu'on a très peu d'épargne, à l'avenir ça peut nous causer de graves problèmes. Et donc ça peut nous gâcher tout le plaisir qu'on a eu le jour où on en aura besoin. Donc l'équilibre est indispensable. Mon deuxième conseil, c'est de retirer des espèces. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu ça toute mon enfance, c'est plus dur de donner un billet que de rentrer sa carte bleue. Donc je pense que déjà, on a plus conscience de ce qu'on achète. Mais ce n'est pas tout. Personnellement, j'ai ce qui s'appelle des classeurs avec des enveloppes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on le voit partout sur YouTube ou sur TikTok. Et pourquoi les enveloppes? Parce qu'on répartit. J'ai une enveloppe course, j'ai une enveloppe restaurant, une enveloppe shopping, une enveloppe santé, et chaque mois, on va mettre des billets dans chaque enveloppe. Alors évidemment, ça ne s'applique pas aux dépenses telles que le loyer et les charges, puisque c'est directement prélevé de notre compte bancaire. Mais pour le reste des dépenses, ça permet de dépenser normalement, comme notre budget nous le permet, sans faire d'extra. Par exemple, mon budget de course est de 120 euros par semaine. Ça peut paraître beaucoup pour deux, mais il faut savoir qu'on habite dans Paris et qu'on ne mange que des bons produits. Personnellement, je trouve que je gère plutôt bien, mais ça peut étonner. Et donc c'est 120 euros. Donc je les prends pour faire le marché, pour faire les courses et pour acheter du pain à la boulangerie par exemple. Je compte dedans la lessive et les produits ménagers. Eh bien ça me guide et à la fin du mois il peut n'y avoir que de bonnes surprises puisque en général il me reste de l'argent. Bon après si j'ai vraiment envie de me faire plaisir, je paye en plus avec ma carte bancaire. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un bon moyen de contrôle ces petites enveloppes. Ça c'est pour le quotidien mais elles sont aussi très appréciable pour les choses que l'on désire vraiment. Par exemple, là je veux m'acheter ma paire de chaussures pour mon mariage, j'hésite encore entre les Jimmy Choo ou les Manolo Blahnik, c'est entre 700 et 900 euros. Pour beaucoup, la réaction serait pardon. Mais voici comment je fonctionne. Et je vous assure que vous aussi, vous pourriez le faire. Vous prenez une enveloppe dédiée à cette paire de chaussures et chaque mois, vous mettez 20 euros moins ou plus en fonction de votre aisance financière. Imaginez ces 20 euros comme les petites conneries que vous achetez, un petit t-shirt chez Zara. Vous voyez ce style de dépenses. Si vous ne les dépensez pas, que vous les mettez dans une enveloppe chaque mois, au bout de 3 ans, vous pouvez vous acheter votre paire de Jimmy Choo. Et le plus formidable dans tout ça, c'est que quand vous achèterez votre paire de Jimmy Choo, vous aurez votre enveloppe remplie. Ça veut dire que vous ne dépenserez pas de l'argent de votre compte bancaire, donc vous ne le sentirez pas. En plus, le bon point, c'est que ce n'est jamais un achat impulsif. Ça veut dire que on ne va pas chez Louboutin s'acheter une paire. Clac. Oh bah zut, j'ai moins 800 euros sur mon compte en banque. Et à la fin, finalement, on les porte pas tant que ça, on regrette. Là, je peux vous assurer que quand vous mettez
20 euros chaque mois pendant 3 ans, vous avez le temps de réfléchir. Et donc votre achat, vous ne le regrettez pas. Voici pour la technique des enveloppes. C'est assez psychorigide, telle que je suis. Je sais qu'en en parlant, ça peut ne pas vous plaire, mais je sais aussi que ça peut beaucoup vous plaire si vous êtes aussi rigide que moi. Et surtout, c'est un bon moyen de contrôler son budget. Alors néanmoins, attention à ne pas avoir trop d'argent chez vous ou sur vous. Déjà, au-delà d'un certain seuil, c'est interdit. Et en plus, si vous vous le faites voler ou cambrioler, c'est fichu. Troisième point, être raisonné. J'ai trouvé cette technique sur TikTok qui est de multiplier le prix du produit par 10. Par exemple, je suis chez H&M, je vois un t-shirt à 9,99€, je me dis « Ah, il est cool !» Bon, allez, c'est que 9,99€, tant pis si je le porte pas. Maintenant, multipliez ce prix par 10. 99,90€. Est-ce que j'achèterais ce t-shirt s'il était à 99€? Si la réponse est non, on repose le t-shirt. Si on l'aime vraiment, on va en caisse. Ça, c'est une astuce que j'aime beaucoup. Ensuite, raisonner en heures de travail ou au contrat. Moi par exemple, je suis rémunérée au contrat, pas en heures de travail. Mais je me replace en tant qu'étudiante, hein, quand je gagnais un SMIC. Je bois un coca sur une terrasse à Paris, le coca est à 7€. Je vais en prendre un parce que je suis avec mes copines, je profite, hein, ça fait partie du budget loisir. Donc je bois mon coca qui représente une heure de travail, voilà, je sirote mon heure de travail. Et là j'ai envie d'un deuxième coca. La question maintenant c'est, est-ce que tu serais prêt à dépenser 2 heures de travail dans un deuxième coca? Je trouve que c'est assez parlant. Ensuite, ma grand-mère, quand j'étais petite, me disait toujours qu'il fallait avoir une poire pour la soif. Si tu as 8000€ sur ton compte, ne pense pas à ce que tu vas bien pouvoir t'acheter avec. Garde-les. Ah bon, mais tu ne vas pas en avoir besoin? T'es sûr? Et le rattrapage des impôts? La réparation de ta voiture? Ton opération parce que la mutuelle, oh, ne rembourse pas la totalité, c'est étrange? Non, sincèrement, on n'a jamais trop d'argent sur son compte. Il y a tellement d'accidents probables dans la vie qu'on ne peut pas se permettre de claquer, quoi. Ça peut te permettre qu'une seule chose, avoir l'esprit tranquille. En plus, tu seras très content de les avoir pour payer tes frais de notaire, puisque tu ne peux plus les emprunter auprès de ta banque. Ah, c'est génial ça aussi, hein. Quatrième et dernier point, placer de l'argent. Si tu penses que t'as de l'épargne en trop, pourquoi tu ne le placerais pas pour qu'il te rapporte de l'argent? Alors attention, il faut rester cohérent. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'intérêt. Mais l'investissement est un état d'esprit. Avant d'y aller, il faut bien s'informer et se faire accompagner. Mais juste se faire accompagner, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de loulous qui se disent très forts en finance, très forts en bourse. Méfiez-vous. Avant de leur faire confiance, il faut que vous-même vous sachiez de quoi ils parlent. Assurez-vous d'avoir tout compris. Voilà, je pense vous avoir donné quand même de bons tips qui vous permettent de gérer votre argent. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et s'il vous plaît, ne culpabilisez pas de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir vous acheter un iPhone. Vous ne pouvez peut-être pas en ce moment, mais dans quelques années, ce sera peut-être différent. Pensez toujours à la sécurité financière avant. Sur ce, je vous dis à bientôt, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Bisous !